Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveur d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais faire une recette de poulet rôti aux olives et oignons. Je vous laisse regarder les ingrédients où se retrouvent pour préparer cette recette. Dans un mortier, je mets du coriandre, je rajoute du gousail coupé en petits morceaux, je rajoute du sel. Et je vais les écraser pour les réduire en purée. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'eau. Dans un récipient, je mets le mélange de la coriandre, de l'ail, je rajoute le gingembre et je mets 1 cuillère à soupe de l'huile. Je mélange le tout et je vais commencer à mariner le poulet. J'ai fini la marinade du poulet. Je le mets dans la marmite pour la cuisson. Je rajoute les oignons que je coupe en petits morceaux. Je mets un demi-citron que je coupe en deux. Je rajoute de l'huile, du sel, du curcuma. Je rajoute les 450 ml d'eau. Je mets à cuire dans un feu très doux pendant 1 heure pour un poulet fermier et pour un peu de temps à la cuisson. Au bout de 30 minutes, je vérifie la cuisson. Avec une fourchette, je pique. Au bout de 45 minutes, je vérifie à nouveau la cuisson. Le poulet est presque cuit. Je rajoute les 400 ml d'eau et je laisse encore cuire. Maintenant, la cuisson est terminée. Je vais le retirer. Je le mets dans un plat à four pour le faire dorer. Pour la dureur, il faut compter à peu près une quinzaine. Je retire les morceaux de citron que j'avais fait cuire avec le poulet. Je les réserve de côté pour la décoration. Dans une casserole, je vais faire bouillir les olives. Ensuite, je les passe dans une passoire et je les mélange avec la sauce. Je récupère le poulet du four, je le mets dans une assiette et je vais commencer à dresser. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt.